Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Alors, étant donné que l'Euro 2016 commence vendredi, donc demain, pour ceux qui regarderont la vidéo, ou aujourd'hui, j'ai eu comme idée de simplement faire les matchs qui auront lieu durant l'Euro. Donc, on le sait tous, le match d'ouverture, ça sera la France contre la Roumanie. Et pour ça, du coup, je suis accompagné de mon acolyte Fabio, qui a pris la Roumanie. Salut tout le monde. Voilà, il vous dit bonjour, il est gentil, il est mignon. Rah. Comme un petit hamster, on a envie de lui serrer les joues. Non, bref, sans déconner. Alors, on a fait un match juste avant, où on a fait Benfica Porto. J'avais Benfica, il avait Porto. On avait dit que le gagnant prendrait la France. J'ai perdu. Voilà, ça me fait un petit peu mal au cul de le dire, mais j'ai perdu. Mais Fabio a eu la gentillesse et l'énorme bonté de me laisser prendre la France. Alors comme vous pouvez le voir, pour la France, j'ai mis le dispositif que la France a utilisé dernièrement, donc en 4-3-3. Et l'équipe, c'est exactement la même que qui devrait jouer normalement demain. La seule différence, c'est que j'ai pas Diarra. Parce que me demandez pas pourquoi il est pas dans FIFA. Et Fabio, il a pris la Roumanie, mais c'est pas pour être méchant, mais que ça soit lui ou que ça soit moi, on connaît pas trop la Roumanie. Du coup, il a laissé l'équipe comme ça de base. Et donc voilà, on fera un match comme ça et on verra si la France est capable de gagner contre cette Roumanie qui peut créer la surprise durant l'Euro. Hein? Hein Fabio, tu vas gagner avec la Effectivement. Roumanie. Ah oui, bien Ah, j'espère sûr. bien. Bon, c'est parti. Ballon de près, et c'est Alors, Vinicius Griezmann, Junior s'il n'est qui pas sur entre le cette terrain, rencontre. parce que lors du dernier match, il Position n'a de pas l'équipe de joué, il Cap me se semble. fiche. En tout cas, il n'a pas commencé le C'est début de match. justement aligné en 4-3-3. Alors je vous avouerai que je suis pas un pro à Dimitri FIFA, hein, Payet. donc faut pas m'en vouloir si je suis pas Patrice super bon. Evra. Gabriel Torge. Attention. Ah là, elle est Eh, il n'est pas question repartie, que tu gagnes ce on crée match, une hein, je te le danger. dis direct. Ah. C'est On bon, voir c'est ça. bon. On aère, on aère. Kingsley Coman. On joue vite. Dimitri Je suis Payet. passé. Giroud. Giroud. Il Pas du essaye de tout. prendre sa chance. J'ai bloqué. Pas du tout, Et ce pas du ballon tout, qui pas file du en tout. corner à Corner l'égout à de toi. l'équipe de France. Je vais la mettre. Paris? Pas du tout. Un Absolument pas. point. Attention, la Eh frappe. mais. Ça y est, et Encore ça, bloqué. ça pue pour moi ça. Quand je commence à avoir des occasions que ça veut pas rentrer. N'oublie pas, moi je suis le mur de Kingsley Berlin. Ouais, bah ouais. Bah je l'ai vu le match d'avant, ouais. Ballon rendu à l'adversaire. La Roumanie qui pousse avec Non! ce ballon. C'est Et dans les bras de Gardella. Loris, il est là. Eh, si je perds contre... encore une fois, sérieux. Allez. Comment dire? C'est détruire la mallette. Mathieu On va Dier. dire ça comme ça. Giroud! Oh, mais Un Giroud, tir. gros! Pas cru. Pour l'équipe de France qui obtient un corner. 3 heures pour contrôler un ballon, s'il te plaît. Fais un effort, s'il te plaît. Ah, ok, y a personne. On tire. Pas du tout. Peut-être le but. La Alors, défense un je petit vous peu préviens passive de sur suite. corner. Moi, Attention, pour parce qu'avec l'Euro, lui d'habitude, le bah, 0 se je décache. soutiens pas Voilà, Eric spécialement la Dier, France. qu'est-ce qui va rassurer la Fabio, défense? je pense pas non plus. Moi, bon, c'est forcément, ça sera le Portugal. Mais en tout cas, Ah oui. pour Ah oui. Fabio aussi, hein, bon, vous l'aurez compris, on vous l'avait déjà dit lors d'une vidéo. On est tous les deux d'origine portugaise. Mais. Macaque. Ouais. Maçon, voilà, de Attention à père en cette fils, perte de balle au milieu. génération en génération. Mathieu Dier. Mais voilà, donc. Mais pour moi, L'adversaire qui honnêtement, s'empare de ce ballon. et je le dis sincèrement, Gabriel Torge. pour moi, la France a toutes ses chances de gagner l'Euro. Kingsley Coman. Fort probable. Parce que, bon, c'est une équipe jeune. France qui Déjà, la effectue Coupe du une Monde, c'est une mise en équipe qui jeu. m'avait On impressionné, s'approche des buts. même s'il y avait encore quelques défauts. Et là, vu leur dernier match, parce que forcément, je Osseri. m'intéresse aux autres équipes, si jamais contre qui le Portugal viendrait à tomber. Johan Cabaye. Ben, franchement, la France, superbe Tente équipe, sa hein. chance. Aïe, aïe, aïe. Honnêtement. Faire là. Ouais, facile à dire après coup, mais Mais non. bon, je parle et je marque pas. Donc pour le coup, si la France elle joue comme ça contre la Roumanie, il y a des chances que vous gagnez pas. Hein. Bon, pour le moment ça va, là, Fabio a pas eu Patrice d'occasion. Evra. Aïe. C'est bon, je suis passé. Faute. Carton. Hey, tu sais, face au mur du Carton Berlin. rouge. Il faudrait peut-être revenir en Mais soutien oui. pour l'aider. Carton violet même.
J'invente des couleurs. Et rose aussi. Bah ouais. Pogba. Putain. J'ai envie de te marquer un but, mais violent. Rien que pour te calmer, vieux. Juste pour me venger du match d'avant. Juste pour ça, de te faire laisser passer la cinématique. Ah bah non. Pourtant, j'avais appuyé. Hein. Eh, 6 occasions pour la France, 0 pour la Roumanie. On peut dire que la France est en domination totale. Domine totalement le match. Ok. Non, voilà, mais c'est bon. Ouais, eh. Eh, ça c'était prévu, ça. Voilà. On joue vite. Magnifique. Passe en profondeur. Oh, un peu trop vite, même. Giroud, il est pas chaud. Il est pas chaud. Je le sens pas chaud. Matuidi. Matuidi, il est pas chaud. Ah, il y a un Roumain, il a perdu ses jambes. C'est pas grave. Il y a faute là. La jaune. Il y a rouge, noir. Excusez-moi, j'ai pris le ballon. Je savais pas que c'était une faute. Ah, les joies de FIFA. Hein. Alors. Allez, c'est bon. Allez, Giroud. Ok. On y a cru. Non. Putain, il sort pas, frère. Alors, on ne présente plus le parc. Bah, allez. Oh, hors jeu. Je l'avais vu l'hors jeu. En partie au-dessus du périphérique parisien. Hop. Patrice Evra. Il fait quoi? Il a fait quoi? Alexandre Maxime. Reviens ici. Wow. Hey, Loris. Loris, comment t'expliquer? Ça fait plus de frayeur pareil. Fabio, tu vas te calmer direct, déjà. Allez, je te le dis. C'est bon, ça glisse. Ouais, ça glisse. Magnifiquement bien en ce moment. Je vais pas. Allez, putain. Bah oui, mes fautes, évidemment. Carton rouge. Alors, normalement, j'aurais tiré. Mais là. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Hey, je suis curieux. Il y a un joueur qui a touché avec la main. Il y a peine à le tirer. Ouais, mais c'est FIFA. Mais, hey, faute, hein. Je suis curieux de voir si le gardien roumain il fera pareil lors du match. Hein. Putain. J'ai rien contre les Roumains, hein, ni contre l'équipe roumaine. Hein, mais. Oui, mais oui. Ça, vas-y, c'est un vas-y. Peu plus crédible. Lance pour le public, ça. Eh, hey, le public, c'est le 11e joueur. Dans le 12e joueur. Matuidi. C'est bon. Faut que ça glisse. Ah, c'est bien de jouer collectif comme ça. Le tir. Un peu trop, putain, ouais. Je croyais qu'elle était dedans. Vous savez, en fait, il a déjà marqué de là. Il a eu raison. Je croyais qu'elle était dedans. Rêve pas trop, rêve pas. Je suis allé, putain. Eh, t'as eu aucune occasion pour le moment. Je le dis, ça pue. Ça sent le but arriver comme ça. Touche. C'est bon. Kingsley comment? Et il s'appelle Kingsley comment? Ça c'est pas bon. Ah ça c'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Matuidi. Tout était prévu. Ça aussi. Voilà. De temps en temps il faut laisser le ballon à l'adversaire. Il y a faute là non? Non, il n'y a pas faute. C'est bon. Ah oui, il a du soutien. Ça, hein, ça pourquoi il est tombé? Ah, c'est l'adversaire qui est finalement. C'est victime le mec. Ce c'est bon. Kingsley, comment? Non, c'était pas là. C'était pas là. Mais si, c'était là. Mais oui. Oui. Ah là, il y a faute. Ok. Donc tantôt, t'as un mec. Tu fais tomber mon joueur, il n'y a pas faute. Là, je prends juste le ballon, il y a faute. Bah ouais. Moi, je dis, il y a de la discrimination dans ce jeu. Kingsley, comment? Putain, j'ai personne, quoi.
alors que le quatrième arbitre indique non. Qu'il y a 3 minutes de temps additionnel. C'est bon. Oh, que c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment bien joué. Matuidi. Pas du tout. Une bonne abnégation sur cette interception. Oui. Oh, Giroud. Allez, ben voilà. Fabio est en train de se transformer en petit bâtard. Ah, c'est le jaune. Tu l'as dit. Tu te transformes au mur de Berlin. On va prendre. Il faudrait un droitier. Attends. Ouais, Giroud, apparemment. Là. Ah, bon goal. Olivier Giroud. Putain. Eh. Hey. Le gardien romain, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais. Il a mangé du lion. Ouais. Va se calmer direct. Allez, super. Ça fait combien d'occasions pour moi? Je sais pas. Putain, eh. Hey. 10 tirs, 4 tirs cadrés. Bon, on peut voir que du côté. Roumain. Voilà. 0 tir, 0 tir cadré. Bon. Pas grand chose à dire, hein. Domination clairement française. Bah lâche pas de vent par contre, Fabio. Ouais, hein? Tu me lâches des vents comme ça en pleine vidéo. Non. Ah, désolé. Non. T'avais pas entendu. Faut savoir que Fabio il me fait ça même quand on joue. Hein. Il aime bien de temps en temps me lâcher des petits vents. Je suis là, je parle et tout, j'ai pas de réponse. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Des fois, même le lendemain. Je suis encore sur la console, j'attends une réponse, j'ai toujours pas de réponse. Ah ouais. Et s'est endormi devant la console. Voilà. Lecture du jeu là sur cette interception. Et ça le fait rire. Dimitri Payet. C'est bon, faut que ça glisse, faut que ça glisse. Ça glisse plus. Pour l'aider. Là ça glisse plus du tout. C'est bon, c'est bon. Hey. Tranquille. Franchement. Voilà, oh c'est beau. Oh la combinaison. Je l'ai vu, c'était pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bien oui, c'est ça qu'il faut faire. Eh Giroud il m'a déçu hein. C'est bon, c'est bon. Tu passeras pas gros. Voilà. Voilà, on fait n'importe quoi, c'est beau ça. C'est pas la France qui joue. Comme toi. Dimitri Payet. Ouais mais c'est quoi tous ces Roumains là frère? C'est un truc de ouf là, attends. C'est bon. C'est quoi, on va changer de côté. Les Roumains. Parce que là. C'est bon. Evra. Allez. Oh le grand pont. Oh putain. Oh c'est. Non. Elle était un bâtard. Vas-y. Ça méritait le. Ça méritait le goal ça. Comment ça, un jaune? C'était un rouge. C'est qui là? Payet. Pitre. Ouais, je sais pas du tout en fait. Bon, on va essayer. Hein. Bah ouais, sur le gardien. Bon. Allez, ça c'est but ça. Oui. Putain. Eh, mais le gardien. Bon, hey, Fabio, je sens déjà que les Français qui regarderont cette vidéo, ils vont me détester. Enculé! Surtout comme tu joues, surtout tu joues avec la France. Putain. Même pas un petit goal ni rien. Ouais, mais écoute. Ils vont pas t'aimer. Non, hein. Non, je sais bien, je sais bien. Ils vont pas t'aimer beaucoup. Hein. Je m'en excuse. Bah là je donne vraiment mon maximum hein, faut pas croire hein. Ouais ça se voit. Mais le ballon il veut pas. Quand le ballon il veut pas, il veut pas. Johan Cabaye. C'est bon. Cabaye. Voilà. Voilà. C'est beau. Une deux. Putain. Et c'est dehors. Johan Cabaye. Voilà. Tiens. Kingsley comment? Tire. Elle est rentrée?
Enfin, putain! Eh, j'ai cru que j'allais jamais marquer, frère. Eh, même comme ça, le ballon, il a pas voulu rester dans le but. Hein. Et regardez-moi ce magnifique but. Ouais. Je sais même pas qui a marqué, j'ai même pas fait attention. C'est lui. Ah bah c'est Kingsley Coman. Comment il s'appelle? Excellente blague. Kingsley Coman. Non. Et là tu marques et là je pleure. Eh, on va faire comme le Portugal avec l'Estonie hier. Le premier but il est tombé et maintenant on va te faire un petit 7-0. Johan Cabaye. Boum. Ah, c'est pas possible. Ah. Je voulais avancer un peu plus, hein, mais. Ça forêt le mur. Oui. Le gardien du point. C'est bien contrôlé, ça. Voilà, c'est beau ça. Absolument pas. Le tir. Oh putain, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est vraiment pas possible, putain. Oulala. Tu dis. Eh, la France, elle est pas mauvaise hein, sur FIFA 16. Hein. Bah, tu me diras en vrai aussi, mais. Allez. Ça y est, ils sont chauds là. Ils sont chauds. La Roumanie est totalement dépassée. Fabio est paumé. Putain, il va centrer. Il n'y a personne. Loris. Voilà, Loris. Vas-y, fais une photo gardien. Oh non. Oh, heureusement que t'as fait le con. Il cherche un partenaire dans la surface. Voilà, c'est une jambe à connard. Voilà. Non, au moment où je fais la passe, putain. Et je dis souvent putain dans ma vidéo. Si je devrais mettre des bips dans ma vidéo ce serait un bip tout le long. Hein. Punaise. Je l'ai pas dit. C'est bon, on y va. Allez. Ah. Punaise. C'est bon. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Dimitri Payet. Pas vrai. Hein. Ça n'ira pas plus loin. Kessirou. C'est bon. Non. Ça y est, je commence à déconner là. La bonne tête. Écoutez les supporters qui poussent en excellent cette ça, excellent ça. Qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Allez, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. C'est les joueurs bon. Le savent bien. C'est des noms imprononçables hein, dans l'équipe de France. C'est bon, Evra est passé. Matuidi. Comment? Qui va centrer? Excellent ça! Excellent! Eh! Encore un peu, je marquais. Hein. Ah, Fabio, il commence à se dire que c'est chaud là. S'il commence à siffler, c'est qu'il se dit que c'est chaud là. C'est bon, on est passé. Eh, c'est le truc que je déteste dans FIFA, c'est vraiment quand t'appuies sur une touche et que. Il faut 3 heures quoi. Putain! Bah ouais, exactement, Fabio. Là, t'étais parti pour marquer là. Non! C'est bon ça. Johan Cabaye. Par contre, 3 heures pour. Là-bas. Ah, si c'était plus bas. Dommage. C'est bon. Le tir. Eh, mais le gardien, mais c'est un truc de ouf. J'en peux plus. Ah, d'accord. Kingsley Coman. Il centre. Oui. Eh, le Kingsley Coman, il a me casse les couilles. Comment, Fabio? Pas rien. Il y a Fabio à peu près.
tout est passé. Et le match va se terminer, un but à zéro. Allez. J'ai dit, le match va se terminer, un but à zéro. Mais oui. Putain. Loris. Ah, Fabio, il commence à rager. Non. 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 Tu marqueras pas. Elle va rentrer. Eh, si tu marques maintenant, je te jure, le record, tout. Tout à la poubelle. Je m'en bats les couilles. Il rage. Ah, bâtard. Victoire de la France, facile. Facile, hein, pas très difficile. Bon, les dernières minutes, j'ai eu un petit peu chaud au cul. Mais ça va. Easy, tranquille, pas de panique. Au final, je voulais faire rentrer Griezmann, je l'ai complètement zappé. Vas-y, passe la cinématique que je regarde les stats. Un peu, beaucoup, t'as mal au cul. Vers la fin. Vers la fin, j'avoue, j'ai eu l'arrêt du cul qui a transpiré un petit peu. Ah. Vas-y, appuie sur A. Non. Sauf si tu veux ta revanche, mais. Ouais. Bon, vas-y, appuie sur non là. Non. Ah, désolé, hein, quand même. Ah, non, on n'a pas le temps. Bon, niveau stade, ben voilà, hein, 18 tirs pour la France, 2 pour la Roumanie. 9 tirs cadrés seulement j'ai fait. Ah ouais, en fait 9 sur 18 c'est pas terrible, hein. Bon ben voilà les amis, donc c'était le premier match. Alors là, vu que c'est les phases de groupe, je ferai évidemment pas tous les matchs, parce que sinon ce serait juste interminable. Ma chaîne YouTube deviendrait une chaîne YouTube de FIFA, et c'est pas le but. J'essaierai de faire les matchs importants. Donc là, pour la France, il y en aura pour la Belgique, pour l'Italie, pour le Portugal évidemment. Et là, je sens que moi et Fabio, on va se disputer pour savoir qui est-ce qui prendra le Portugal. Mais voilà, donc j'espère. Non, je crois pas. J'espère que la France gagnera son premier match. J'espère réellement que la France ira loin. Et pourquoi pas une finale France-Portugal? Parce que bon, Portugal et la France, on a. Il y a une certaine petite rivalité. À chaque fois qu'on est tombé contre vous, on a manqué un peu de chance. Donc ce serait cool, une vraie finale France-Portugal. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour le prochain match. Ça sera sûrement Belgique-Italie, on verra, mais ça sera sûrement ça. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Fabio, un petit mot pour la fin? Non, pas grand chose. Ah d'accord, Fabio est toujours aussi bavard. Bon ben, je vous donne plein de petits bisous et bonne chance pour votre équipe favorite, et bon Euro 2016 surtout. À la prochaine. À la prochaine. Ciao ciao.